Je suis Céline Banza et je suis l'invitée d'Afro Night. Salut Serge. Salut. Céline, bonjour, heureux de vous avoir dans cette émission et dans ce lieu où vous résidez à l'occasion du Festival des Musiques Urbaines. Y participer était-ce un besoin ou une envie? Les deux, parce que c'est un grand festival et parce qu'il y a toute une histoire aussi avec Assalfo et avec ce festival aussi. Être là sur cette grande scène, c'est un honneur pour toute la jeunesse congolaise déjà. Et moi, j'ai très hâte d'y être et de passer un super moment avec le public ivoirien. Qu'est-ce que vous savez justement de ce festival? Je sais que ça a commencé depuis très longtemps. Depuis 13 ans, ouais. Et que ce festival est lié aussi à des causes humaines. Il y a du social. Il pense à la société, il pense aux enfants, il pense aux familles, il y a plusieurs communautés. Et voilà, je sais. En quoi cela vous touche? Ça me touche beaucoup parce que moi-même, je pense que je travaille aussi pour ces causes-là. Je suis ambassadrice de l'UNICEF en RDC. Et donc voir les artistes, voir des personnes se réunir pour des causes vraies, moi ça me touche et franchement j'applaudis, je jette des étoiles. C'est la raison pour laquelle vous avez dit oui tout de suite. Oui, musicalement parlant aussi, oui, parce que Assalfo il m'a téléphoné, j'étais en pleine émission et il m'a fait une surprise avec son appel pour dire écoute Céline, finalement le festival aura lieu et tu viens. Donc c'était une très grande nouvelle pour moi et voilà. Vous l'ethnologue, qu'est-ce qu'un tel événement peut représenter pour une nation, pour un peuple? Beaucoup. C'est beaucoup de cultures qui se réunissent. Et ça fait revivre la société. Ça nous fait voyager dans plusieurs cultures, dans plusieurs univers. Et c'est même ça le but de la musique ou de l'art ou même de la vie, si je peux le dire. Métier que vous pratiquez. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de beau à se retrouver sur cette programmation importante avec des artistes venus d'horizons divers pour vous? Pour moi, je ne réalise peut-être pas ça, hein, comme toutes les autres personnes, mais déjà je sais que ce n'est pas pour rien que je suis arrivée là. Voilà, je me contente moi de jouer et de continuer de rester moi, de rester Céline. Et voilà, l'important pour moi, c'est vraiment... Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de partout. C'est des nouvelles aventures, c'est des nouvelles rencontres. Ouais. Donc c'est déjà ça. Et puis, c'est une affiche que vous garderez longtemps en mémoire. Mais bien sûr. En tout cas, oui, bien sûr. Voice Africa, prix découverte RFI 2019, album Préfacio. Préfacio. Ouais. Femia, vous pensez avoir eu raison d'insister à exercer ce métier? Oui. Oui, parce que ce n'est pas évident, hein, c'est pas facile. Je pense pour tous les domaines, pour tous les autres domaines. Je pense que c'est la détermination, c'est le rêve, c'est beaucoup d'objectifs, c'est la patience. Mais tout ça, c'est aussi le résultat de beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, ouais. Et surtout de la détermination. Exactement. Voilà. Et voilà ce que ça donne quand on est déterminé, quand on y croit et lorsqu'on est passionné. Céline est sur la scène du Femia. Get on.
Céline, j'ai lu quelque part et je me fais le résumé pour dire que vous et la musique, c'est une histoire extraordinaire. C'est quelque chose qui devait vous détruire, mais qui vous a gardé en vie. Exactement. Expliquez-moi. Ouais. Bah oui, parce que depuis toute petite, j'aimais chanter. Et mon père, il voyait ça en moi et c'était mon seul soutien. Quand il est décédé, on a voyagé à l'est du pays et tout a basculé là-bas. Donc la musique était tout pour moi. Je puisais ma force dans la musique, je puisais ma joie dans la musique et je pouvais rêver dans la musique, quoi. Donc, c'était votre refuge. Exactement, c'était mon refuge. Ma famille pensait que... À l'écouter que, ou à jouer? À l'écouter surtout. Avant, c'était vraiment à l'écouter. Et voilà, je vivais dans mes imaginations. Je voyais des enfants comme moi à la télé, je me disais pourquoi pas. Un jour, j'aimerais vraiment être à leur place. Mais voilà, ma famille ne m'a pas donné cette chance-là tout de suite. Ne m'a pas donné cette chance-là. Après votre père? Après mon père, personne ne voulait que je fasse de la musique. Pour eux, c'était la voie vers la prostitution, la débauche, c'est l'abandon des études. C'est vraiment, tu te perds. Et personne ne m'a soutenue. Et donc voilà, j'étais seule. Dans la rue? Comment? Dans la rue? Pas forcément. Parce que dans la rue, j'ai rencontré des très belles personnes qui n'ont pas voulu que je ressemble vraiment à ces enfants-là qu'on voit dans la rue, qui m'ont tendu la main, qui ont fait de moi leur sœur, leur petite fille, leur amie, et ils m'ont donné des opportunités. Et donc voilà, quand on a fait notre premier concert à l'Alliance Française à Kisangani, je me rappelle en 2014 ou en 2013, avant mon bac, c'est là que je m'étais dit, c'est la musique ou rien. Je vais retourner à Kinshasa, je vais étudier la musique, je vais frapper et je ne vais faire que ça. Voilà. Faire que ça. Oui. Vous insistiez pourquoi? Parce que vous aviez déjà, à votre avis, dans votre imagination, la bénédiction de votre père d'exercer ce métier parce qu'il vous avait offert déjà. C'est lui qui vous offre votre première guitare. Oui, oui, je croyais en ça. Ouais. Mon père, il voulait que je chante. Et moi-même, je le sentais. Et surtout quand je voyais des enfants à la télé jouer. Des enfants dans des grandes compétitions, je me disais, pourquoi pas moi? Et surtout quand je voyais ma famille me dire non, ils étaient très cateux. Moi, je me disais, il y a quelque chose en moi qui me disait, c'est à toi de prouver le contraire. Je voyais en moi que je n'étais pas cette fille-là dans leur tête. Je n'étais pas cette fille-là perdue, têtue ou mal éduquée. Je ne sais pas, je n'étais pas cette fille-là. Et moi, je voulais vraiment leur prouver le contraire. Et c'est ce que j'ai fait. Que pour vous, c'était un art que vous aviez besoin de pratiquer. Exactement. Et l'aboutissement sera donc le 8 janvier, sortie du premier album, Préfacio, qui veut dire préface. Préface, tout simplement, c'est la préface de votre carrière. Exactement, exactement. Au lieu de dire carte d'identité, vous avez dit préface. Préface. Vous préfacez vous-même une longue et belle carrière que vous J'espère. Vous souhaitez. J'espère, oui, je le souhaite. Non, j'en suis convaincu. Ce n'est qu'un début. Bravo, écoutez, j'en suis convaincu. Merci. Alors, comment vous avez ressenti? Comment vous vous êtes senti ce jour-là, lorsque l'album est sorti? J'attendais, j'étais calme. Ces chansons-là, je les avais depuis des années déjà, je les jouais aussi. Mais sortir cet album... partout dans le monde, pour moi, c'était enfin. J'en revenais pas. Ouais. J'étais calme, j'en revenais pas. Je me disais vraiment un album. Moi, et Céline. Et à quoi on pense tout de suite, Céline? Quand on sort du studio, quand on dit l'album, il est bouclé, il est mixé. Ouais. À quoi vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'avais peur. Appréhension. J'avais peur. Je me disais, est-ce que c'est bien? J'avais peur. Et les retours m'ont surpris. Voilà. Les retours m'ont surpris déjà dans mon pays et puis un peu partout. Ouais. Jusqu'à maintenant, moi, je suis toujours surprise des retours qu'on nous fait de l'album. Ouais. Vous êtes une excellente chanteuse et une excellente artiste. Merci. La femme, la puissance de l'amour, l'espérance, la déception, la persévérance, la gratitude, ce sont les thèmes de l'album. Cet album est une autobiographie? Oui, tout à fait. Ouais. C'est votre vie. C'est ma vie, je me suis livrée. J'ai été vraiment sincère avec moi-même. J'ai écouté mon cœur, j'ai parlé de moi, vraiment de tout.
et de rien. J'ai parlé de ma vie, d'où je viens, où est-ce que je suis, comment je suis arrivée là et comment je vais continuer. Il n'y a pas un seul titre qui vous caractérise. Tous vous caractérisent. Exactement. C'est votre vie. Tout. Chaque chanson a une partie de ma vie. Mmh. Voilà. En tout cas, c'est tout moi, cet album. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes sur scène, il y a tant d'émotions dans ce que vous chantez, dans ce que vous proposez. En tout cas, ouais, peut-être que oui, parce que oui, en tout cas, je ne sors pas de moi dans mon travail. C'est tout tourne autour de moi. Ouais. Chanter pour vous doit être frais. Exactement, doit être frais. C'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant vos chansons. Merci. On vous retrouve encore sur la scène du FEMUA. Justement, on va constater cette grande émotion. Oui. Céline Banza. Lolo dum dum dengem bembi salandomo. Se ado akozona zolo sala legetelo. Se adunga akozona zolo lengbe ti ungunda telo. Lolo dum dum dengem bembi endo wondo. Lolo dum dum dengem bembi salandomo. Tamoda be mumma binalandango legetembi. Nakomyo tika pongye mema ngai. Et même si tu pars, je reprendrai ma route. J'en veux pas, mais j'ai pas peur d'essayer. Il me coulera juste un peu de larmes pour ton départ. Quand je me cache, après je te l'avoue. Quand je te dis au revoir, je viens de me fou. Tu m'as rendu riche, moi qui étais tellement pauvre. Enrichi de ton rire et enrichi par ta peau. Les femmes pleurent au départ, c'est juste qu'ils se voient lâches. Les hommes pleurent aussi, mais c'est juste qu'ils se cachent. C'est comme ça, jour de départ, hein, tu ne sais pas. Rien de ce qui me répare. Près de ton cœur, de la chaleur de ton panne. Mon amour m'accompagne, ton souvenir m'accompagne. Abidjan, est-ce que ça va? De la chaleur de ton panne, ton souvenir m'accompagne. De la chaleur de ton panne, ton souvenir m'accompagne, bébé. Ce soir, c'est FEMUA, c'est Abidjan et c'est Céline Banza au microphone. Quand je parle de toi, en vrai je te parle de nous. Même quand je me cache, en vrai je te l'avoue. Quand je te parle, en vrai je deviens fou. Tu m'as rendu, moi qui étais tellement pauvre. Enrichi de ton rire. Et enrichi par ta peau. Les hommes pleurent au départ. Les gens juste moi lâche. Les hommes pleurent aussi, mais c'est juste qu'ils se cachent. C'est comme ça, jusqu'au retard, jusqu'au départ. Jusqu'au bout, c'est l'amour qui le répare. Près de ton cœur, de la chaleur de ton panne. Ton souvenir m'accompagne, ton souvenir m'accompagne. Est-ce que ça va la Côte d'Ivoire? On a envie de t'entendre chanter ça, on a envie de t'entendre chanter ça. Ce départ. Pour la voix de Céline Banza ce soir. Et déjà tu me manques. On est ensemble et déjà tu me manques. Yeah. Et même si tu pars,
c'est long, c'est libre. J'en veux pas, mais j'ai pas peur d'essayer. Essayez encore, essayez plus fort. Je veux de l'amour sans départ. Jour de départ, ce qui nous sépare, jusqu'au bout, c'est l'amour qui le répare. Même si tu pars, je reprendrai ma route. La route est longue, c'est libre, la route est longue. J'en veux pas, mais j'ai pas peur d'essayer. Mais elle nous amènera jusqu'à Abidjan, cette route. Jusqu'au bout, c'est l'amour qui le répare. Et je veux voir toutes les mains en l'air. Toutes les mains en l'air. Toutes les mains en l'air. Plus haut jusqu'au fond. Plus haut que ça encore. Céline, envoie le refrain. Envoie. Il me collera juste un peu de l'un bon temps départ. Jour de départ, encore, encore, fais-moi plaisir. Et même si tu pars, je reprendrai ma route. La route est longue, Céline. J'en veux pas, mais j'ai pas peur d'essayer. Mais elle nous emmènera jusqu'à Doumambo. Il me collera juste un peu de l'un bon temps départ. Jusqu'à Abidjan, jusqu'à Youpougan, jusqu'à André, jusqu'à... Tada, oh! Tada, ta. Hey. Hey. Ta. C'est ça même. Ta-da-da. J'entends rien. Adélali. Malik, ma Vicky. Malik. Imani. Yes, au revoir. Céline est ivoirienne ou quoi? Elle est chez elle ce soir. La route est longue, Céline. J'en veux pas, mais j'ai pas peur d'essayer. Tu es au bon endroit. Il me collera juste un peu de larmes pour ton départ. Jour de départ, ce qui nous répare. Jusqu'au bout, c'est l'amour qui le répare. Céline Banza. Banza, est-ce que ça a une signification particulière? Ouais, Banza, c'est un nom qui se retrouve dans plusieurs... peuple de chez moi. Banza peut dire penser en lingala. Penser. Oui, réflexion. Penser, ouais, réflexion. Et banza chez moi veut dire. C'est un fruit qui ressemble à l'arachide, t'as rien à dire de tout. Ouais. Alors, comment vous définirez le genre musical que vous offrez à vos fans? Le genre musical, je ne sais pas, parce que jusque-là, je n'aime pas m'identifier dans un style, dans un genre, parce que. Moi, je suis une artiste et je pense que je dois me dépasser tous les jours. Je dois encore me découvrir. Mais je peux dire qu'on peut me retrouver dans l'afro-folk ou dans l'afro-pop. Ouais. Un peu de soul aussi. Ouais, un voilà. Un peu de soul, ça fait beaucoup. Hein. Oui. Ça fait beaucoup. On parlait de chansons tout à l'heure. Quels sont les ingrédients pour vous pour une bonne chanson? J'ai pas dit belle chanson, j'ai dit une bonne chanson. Quels sont les ingrédients? Les ingrédients pour une bonne chanson, La puissance du texte. Exactement. La vérité, le texte, ouais, ça compte beaucoup pour moi. Mm-hmm. Mais surtout la vérité, quand on est vrai, quand on travaille, quand on donne ce qu'on ressent, quand on écoute son cœur, bah, c'est tout ce qu'il faut. Hein.
Ouais. Aujourd'hui, quand vous êtes sur scène, il y a des images qui vous reviennent où vous avez tout oublié. Vous vous dites, le passé, c'est le passé. Moi, j'avance. Il y a des images qui me reviennent toujours. Quand je suis sur scène et que je vois que le public chante avec moi, que le public crie mon nom, je pense tout de suite à mon père. Parce que j'aurais tellement voulu qu'il soit là. Ah. Qu'il voit que finalement, je fais de la musique. Et il disait qu'il sera mon producteur. Il disait qu'il sera, voilà, qu'on va faire le tour du monde et tout. Et là, à chaque fois, je voyage, je rencontre un nouveau public. Je venais de rien du tout et tout de suite, c'était la scène et c'était la grande scène. Et je pense tout de suite à mon père, je pense à toutes ces personnes qui n'ont pas voulu me tendre la main parce que je voulais faire ce chemin. Vous croyez que c'est dans ce genre-là qu'il voulait vous voir évoluer, ce genre musical? Je pense oui. Ouais. Je pense que qu'il me guide. Je pense que mon père me guide. Je pense qu'il est là, je le vois à travers le public. Je n'arrête pas de le voir. Ouais. Comment la culture peut lier des peuples et voire même des continents, à votre avis? La musique, on ne peut pas se passer de la musique, déjà. La culture en général, je veux dire. Oui, l'art, la culture en général, on ne peut pas se passer de ça. Elle nous accompagne dès la naissance jusqu'à la mort. Donc on est, quand il n'y a pas de musique, il y a des sculptures, il y a de la peinture, il y a les langues, il y a beaucoup de choses. Et on ne peut pas se passer de ça, ça nous accompagne, c'est dans notre société et c'est partout, on voyage avec et elle est toujours là. Alors, lorsque vous avez décidé de venir à Abidjan, dans quel état d'esprit vous avez préparé ce rendez-vous avec le public ivoirien et le public d'Ano Mambo? Ouais, déjà j'étais à Abidjan en avril dernier, ouais. On a passé un super moment et j'étais vraiment encore très contente d'être ici. C'est une ville que j'aime et ce festival... On sait tous que c'est un grand festival et que ça réunit beaucoup de monde. Alors moi, je me suis juste dit, bah, tant mieux. Il s'est passé beaucoup de choses avec la Covid et tout. Et ce festival a été reporté plusieurs fois. Donc là, on pourra enfin se réunir, danser, chanter ensemble, transpirer ensemble, s'amuser surtout. Et voilà, je suis excitée d'être sur scène tout à l'heure. Quels souvenirs vous garderez justement de ce séjour en Côte d'Ivoire? En tout cas, c'est l'accomplissement de beaucoup de choses. Ouais. Retrouver Assalfo ici après toutes ces années, après nos échanges à The Voice, après tout ça, ça me touche. Et je me rends compte que ce qu'il m'avait dit était vrai. Il fallait que je fasse mes pas. Il fallait que j'arrête de me plaindre, il fallait que je fasse avec ce que j'ai, il fallait que j'écoute mon cœur. Et voilà, ça nous paye aujourd'hui. Je me retrouve là, au FEMUA, et je me retrouve devant toutes ces médias. Je suis contente. Ouais. Et je garderai vraiment ça dans mon cœur. Je pense que ça ne m'échapperait pas. Nous sommes aussi heureux pour vous. C'est Merci. La raison pour laquelle on va vous demander maintenant de votre formidable setlist d'offrir un titre qui vous tient à cœur. Vous parlez de cœur, vous parlez d'amour. Qui vous tient à cœur aux téléspectateurs de Télésud. Ouais. Alors moi, je vais chanter tout à l'heure une chanson qui me tient beaucoup à cœur. Je vais chanter Fambi Legge, qui veut dire « Montre-moi la voix ». Dans cette chanson, je parle des nouvelles rencontres. Je parle des personnes qui sont là pour nous. Je dis que j'espère que tu seras le chemin qui va m'emmener vers le soleil, vers la lumière. Et je souhaite ça pour toutes les personnes qui seront là tout à l'heure. Et ça s'entonne comment? Comment? Comment on la chante? Ouais. Ta modulege, omeyano, kambing ombim bimbenale. Ta modulege, omeyano, ongombe. Retenez ce nom, retenez cette voix. Elle s'appelle Céline Banzal. L'album qui, pour faire la traduction, s'appelle Préface, qui est en fait la préface de sa carrière que nous souhaitons assez longue. Elle était notre invitée. Donc, elle nous dédie ce titre-là qui s'appelle encore comment? Fambi Legge. Fambi Legge. Bonsoir à tous et à demain. Women be no da bembe timbe.